Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, hein, la Manga Game Family. Et oui, Elden Ring, encore et toujours. Donc là, je vais vous montrer où est tombée la météorite. Donc si vous avez battu un moment dans l'aventure, vous battez un boss et je me rappelle plus le nom du boss. À un moment, vous voyez des étoiles filantes et il y a une météorite qui tombe. Donc... la poussière. Donc je vais vous montrer où est tombée la météorite. Pour éviter de chercher trop longtemps, déjà en premier lieu, vous allez venir ici. C'est troisième église de Marika. Donc si tu veux savoir où est tombée la météorite, regarde la suite tout de suite. C'est parti, voilà, donc on est ici sur la carte, hein. Troisième église de Marika. Je vous regarde où, je vous montre en grand où je suis sur la carte, hein. Vous voyez, hein, le début du jeu, il est par là, le commencement. Donc nous, on se téléporte ici, hein. Troisième église de Marika. Donc c'est parti, alors je vais vous montrer, quand on part, vous voyez, je vais avancer, la météorite, elle est à peu près par là, elle est tombée par ici, ok, hein, vous voyez, par là, hein. Là où il y a le... Justique. Donc on y va à cheval. Hop, c'est parti. Comme ça, je vous montre l'entrée. Et je vais un peu descendre en bas au niveau de la météorite. Donc c'est parti. On y va. Après, droite, gauche, là je passe par là. Mais vous pouvez passer de l'autre côté. C'est pas une grande importance du moment que vous arrivez. Donc on y va, vous voyez, hein, je pense qu'au début du jeu vous êtes déjà venu par ici, hein, au niveau de ce bâtiment là, parce que là il y a un passage, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un passage pour descendre. Donc on y va, on continue. Arbre monde mineur, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un arbre monde ici. Donc on y va, hein. Il y a un peu de brouillard, donc faites attention. Donc voilà, hein, vous voyez, hein, là on arrive, vous voyez, hein, la météorite, ce qu'elle a laissé, hein, dans le ciel, ça y était pas ça avant, hein. Vous voyez, j'ai mis une trace bleue pour vous montrer. Donc on descend, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Donc on y va, je vous conseille d'y aller à cheval quand même. On descend. Donc là, on arrive là, premier rocher, sautez pas trop, ici, bim, voilà, donc on saute au prochain, ici, voilà, donc là on tourne, on va par là, vous voyez là en face, il y a une grotte, hein. Donc on y va, n'ayez pas peur, hop, voyez, et là, le cheval va m'abandonner, donc on y va, on avance, voilà où est tombé, hein. Elle a fait une grosse crevasse, un gros trou, ça nous a libéré un passage, hein. Ok, donc on descend, hop, n'ayez pas peur, on y va, on descend, fouillez un peu, hein, parce qu'il y a des objets à récupérer un peu, hein, à droite, à gauche. Donc on y va, oula, alors attendez, c'est plus par là, voilà, ici, hop, on y va, voilà, donc on rentre là. Voilà, donc là on arrive Nacron de la ville éternelle. Ok, donc là, hop, on saute sur les toits, récupérer des trucs, s'il y a des trucs à récupérer. Alors là, j'ai pas encore été, mais il faudrait arriver à sauter là-bas pour récupérer. Il y a un objet là-haut, mais je suis pas très chaud pour y aller. Donc le pour y aller, c'est par là, hein, pour descendre plus bas. Maintenant, si vous voulez tenter l'objet là-bas, que vous avez vu comme moi, si vous voulez y aller, allez-y. Faites attention à ces trucs bizarres là, je sais pas c'est quoi. Donc là, on y va, hein. On avance. Oula, hop.
On descend. Donc on suit, hein. On monte sur la maison. Ouais, je calcule pas ces trucs-là, ça s'en fiche. Bon, là, lui, il a rien donné. Hop. Donc on continue. Ouais, il me tire dessus, les autres. Hop. Et là, on va à gauche. Donc là, fouiller un peu, hein, il y a des trucs à récupérer. Hein, voilà. Donc là, on y va, on descend ici, en bas. N'ayez pas peur. Hop. Voilà, faites attention aux ennemis. Et en fait, tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai pas vu, je suis tombé dans le trou sans faire exprès. Donc j'ai mon âme, elle est là. Je vais la récupérer parce que j'ai quand même pas mal de pognon. Ouais, c'est bon, laisse-moi. Voilà. Donc moi. Oui, c'est bon, ça va, on y est. Donc voilà, vous continuez. Ok, bah voilà, hein, la petite sauvegarde, le petit site de grâce. Clac. Non. Oui, t'es arrivé, super, je suis content. Donc, hop. Voilà. Grâce évanouie, découverte. Voilà, après avoir sauvegardé, on y va. Bon, vous fouillez un peu partout, hein. Moi je vais pas m'éterniser, ça sert à rien. Je pense que je vais aller jusqu'au boss. Donc si vous voulez aller directement, vous descendez par là. Fouillez un peu, hein. Il y a des objets un peu partout qui sont assez intéressants. Donc on y va. N'ayez pas peur, on avance. Voilà, voyez là-bas. On va aller battre le boss. Laisse-moi tranquille, toi. Voilà. Donc là, je vais me préparer quand même. J'ai mes chiens. Attends, est-ce que mes roulades sont correctes? Hop. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout d'abord, derrière. Donc voilà. Alors attendez, parce que là, j'ai ça, équipement. Je vais rajouter. Je pense que je vais rajouter celui-là qui est assez. Ah, il est plus 7 lui parce que lui il est plus 4. Plus 4 lui ou lui. Donc je vais rajouter lui. Au cas où, je pense que je vais le prendre. J'ai ça. Ok, donc c'est parti, la famille. Hop, on est go. On y va. C'est parti, on n'a pas peur, on est des bonhommes. Hop. Oui, y a quelqu'un? Allô? Y a quelqu'un? Y a personne? Y a personne? Y a juste toi? Ah mince, c'est mon double. Ah, j'avais oublié, c'était mon double, il est chaud en plus, mince. Ok, c'est mon double, j'aurais dû venir à poil. En fait, là, ouais, voilà, donc. Ouais, bah si il prend autant de soins que j'ai, je suis dans la merde. Pas le laisser prendre des soins à la famille. Ouf. Voilà. Voilà. Il a pas eu le temps de prendre des soins, il a failli me tuer. Ennemi majeur abattu, l'arme. Imitatrice. Voilà. En fait, ouais, il m'avait imité. J'avais entendu parler de ce moment-là, mais j'avoue, je savais pas que c'était là. Donc voilà, petite sauvegarde. En fait, ouais, bah si vous regardez ma vidéo avant d'y aller, et bah, wesh. Il a mis un massage là. Ouais, petit bug, petit bug la famille.
Donc si tu regardes ma vidéo et que t'es pas encore arrivé là, bah, je te conseille de venir à poil. Je suis sérieux. En fait, t'enlèves tout, tu gardes dans ton inventaire ce que tu vas rajouter, et en fait, quand lui va t'imiter, il va être tout nu et tu vas le tuer en 2 secondes. Si t'as pas le niveau que j'ai, parce que moi je suis quand même assez cheaté, hein, regarde le niveau que j'ai, voilà, je suis à 177. Voilà, donc si toi t'arrives à ce moment-là, et bah tu viens à poil, tu gardes de côté toutes tes tenues, tes armes, etc. Et voilà, du coup j'arrive là. Oula, j'arrive là. Donc voilà. Voilà, c'était pour vous montrer où était la vidéo. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, j'ai envie, je vais aller voir. Donc c'était pour vous montrer un peu où était la météorite. Qu'est-ce qu'il y avait après la météorite, hein, quand on descend en bas, hein, du coup ça fait une ouverture. Et je pense qu'on peut aller plus loin par là-bas. Oh cool. Donc voilà. J'arrive là et je peux redescendre par là pour m'en aller l'autre côté. Voilà. Voilà la famille. Donc c'est fini. J'espère que ma vidéo t'a plu. J'espère que bah, ça t'aura aidé. Donc à tous les sans éclat, bon courage. Le jeu est très difficile. J'espère que tu regarderas ma prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si t'es pas encore abonné. Un petit like, ça fait aussi plaisir. Un petit commentaire au cas où. Donc je vous dis à bientôt. C'était Vida. Bye bye la famille.